Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media là et puis Bombard de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. 5 juin, c'est journée mondiale environnement. Ministre environnement, à 9 septembre, encourage la population ici en Haïti pour changer façon à vivre. Ministre renouvelé volonté gouvernement pour continuer bataille pour bay plein de cap guéri maladie plus valet dans le pays. C'est information ça nous porter pour nous pas perdre du temps. N'a pas invité au suivre. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, tout le monde qui branché sur internet, qui suivent nous là, je dis, nous c'est notre date 5 juin 2020, c'est célébration journée mondiale environnement. Nous connaissons ça, représenter environnement, les navires en environnement, et j'ai moi-même personnellement toujours aimé dire, faut que nous remettons environnement, j'en nous remets tête nous. Sur le thème mondial pour célébration journée ça, c'est la biodiversité. Et sur le thème national là, c'est en sauver biodiversité pays d'Haïti. Nous saluons le ministre environnement, nous saluons le directeur général ministre environnement et dans le ministère qu'il y a communication, dans le bureau secrétaire d'État communication. Dans toute équipe journaliste qui l'a aujourd'hui, tout ça qui a retransmettre l'activité ça depuis le ministère environnement, nous disons bienvenue dans la célébration ça. La célébration ça va gagner trois parties là-dedans. Première partie, nous allons gagner un message ministre environnement dans l'occasion de journée ça. Ensuite, nous allons gagner une visite guidée, côté que l'exposition de plantes médicinales, nous connaissons de nos jours par rapport à la conjoncture difficile que nous avons joué. Par rapport avec crise sanitaire ça, donc qui débat a fait autour de plantes médicinales. Et dans la troisième partie, nous avons aussi un petit protocole d'accord d'engagement avec plusieurs institutions, tant que ministère jeunesse, ministère touriste, Corpura, qui c'est conférence des recteurs, présidents et directeurs et dirigeants d'universités d'institutions supérieures haïtiennes. Et puis, il y a gagné tout des représentants de la société civile. C'est comme ça, dans la conjoncture difficile, ça, CIPC, Centre d'information permanente sur le coronavirus, nous là, en direct depuis le ministère environnement. C'est avec un pile honneur, un pile dignité, que m'a cédé Mikoa, ben, ministre environnement, dans la journée spéciale, la journée mondiale de l'environnement, pour lui bailler un message de circonstance. Monsieur le ministre. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, deux éléments majeurs occupent sans doute l'esprit et alimentent les conversations des uns et des autres sur l'environnement d'Haïti. D'abord, son état actuel très critique, et ensuite, comment le ministre va marquer son passage. Il s'agit là de deux préoccupations légitimes qui requièrent des actions immédiates et rapides. Mais ce n'est pas toujours vrai et évident qu'on puisse aller vite, même pour les petites choses. La leçon de la vie montre que si on peut détruire en une fraction de seconde, par contre, construire, reconstruire requiert du temps. Nous parlons de social qui est par nature complexe et de nature qui demande du temps et dont l'équilibre est aujourd'hui mis à rude épreuve par les activités humaines non responsables affectant ainsi la biodiversité. La biodiversité, c'est le thème retenu cette année, ce 5 juin 2020, pour la journée mondiale de l'environnement. La biodiversité est essentielle
à l'existence humaine. Ce, de multiples façons. Les aliments que nous consommons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, bon nombre de médicaments qui sauvent des vies et le climat qui rend notre planète habitable proviennent tous de la nature. Plus la biodiversité d'un écosystème est riche, plus il est difficile pour un agent pathogène de se propager rapidement ou de dominer. Par contre, lorsque nous la détruisons, nous nous exposons aux zoonoses. Selon le rapport frontière du PNUE, Programme des Nations Unies pour l'environnement, 75% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez l'être humain sont des zoonoses et que ces zoonoses sont étroitement liées à la santé des écosystèmes. En Haïti, nous sommes témoins de plusieurs cas d'abus qui affectent la biodiversité. Il suffit de regarder nos mornes, victimes de déboisements, de brûlis et d'incendies. Nos mondes colonisés par des constructions anarchiques, non seulement qui agressent la végétation et le paysage, nos mondes qui ont leurs veines ouvertes par l'industrie extractive du sable et la construction de routes non respectueuses de l'environnement. Mais aussi, il suffit de regarder les villes et le littoral qui sont victimes de saleté et de débris qui vont polluer les fonds marins et détruisent les récifs coralliens, sans compter le massacre des mangroves. Or, il est admis que chaque année, les plantes marines produisent plus de la moitié de l'oxygène de notre atmosphère et un arbre mature purifie notre air, absorbant 22 kg de dioxyde de carbone, libérant de l'oxygène en échange. Que doit et peut faire Haïti? Nous sommes aujourd'hui face à des défis énormes et complexes qui exigent des décisions. Cependant, comme le dit un proverbe créole, chien gain 4 pieds, il parcourir dans 4 chemins. Et pisser, gailler, pas qui met. Il faut faire des choix réalistes. Deux concepts guident et fixent mes priorités ministérielles en adéquation avec celles de l'administration Moïse Joute, axées sur la sécurité, la réduction des inégalités sociales et la relance économique. Il s'agit plus précisément, 1. De montagnes et bassins hydrographiques économiquement verts, et 2. Villes et littorales écologiquement sains. Pour cela, il faut prendre le taureau par les cornes. D'abord, le ministère de l'Environnement doit devenir majeur. Ensuite, le ministère de l'Environnement doit être un ministère d'État qui donne le ton. Et troisièmement, le ministère de l'Environnement doit avoir des moyens financiers substantiels, non seulement pour accompagner et renforcer les acteurs de proximité en matière d'éducation relative à l'environnement, du service de restauration des écosystèmes et d'amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants, mais aussi pour jouer son rôle régalien en termes de régulation et de coercition. Une triple synergie est alors nécessaire, qui consiste, 1. À avoir l'appui indéfectible du président de la République et du Premier ministre. 2. À négocier l'appui des partenaires techniques et financiers du ministère de l'Environnement. Et 3. À impliquer les acteurs d'accompagnement et la population en général.
tous les opérateurs actifs dans le secteur et tous ceux intéressés à l'intégrer maintenant ou plus tard doivent comprendre, reconnaître et accepter que les engagements collectifs en faveur de l'environnement ne peuvent être que sur le long terme, en même temps guidés par cette double vision. Du territoire résilient à travers une triple sécurité alimentaire, économique et environnementale. Et deuxièmement, de gouvernance locale participative à travers un combit participation citoyenne pour l'environnement qu'on appelle encore le partenariat public-privé communautaire. Il devient tout aussi urgent d'harmoniser l'approche des acteurs de coopération et de réorienter leur déploiement en fonction de leurs expertises et des besoins des territoires. C'est le fameux formalisme qui fait quoi, où, quand, comment, pour quel résultat. Tel est le design qui campe les grandes orientations de mon administration, dans lequel les centres de germoplasme auront un rôle central en matière de restauration environnementale. Le jardin garde-manger de l'abondance, optimisé par le bac de production, fera office de mesure d'accompagnement pour éponger les contraintes qui poussent fort souvent la population à un usage non responsable du sol, à la coupe abusive d'arbres aggravant la dégradation de l'environnement et provoquant une réduction systématique du débit des points d'eau. Le coronavirus nous montre aussi la nécessité de revaloriser les plantes médicinales, les savoirs patrimoniaux, pluriséculaires et les pratiques qui y sont associées. Le partenariat avec l'université et les organisations communautaires de proximité, les organisations écologistes permettront de consolider cette pharmacopée en lien avec la biodiversité. Concernant mon bilan pour les trois premiers mois, mes trois premiers mois étaient surtout consacrés à découvrir et à comprendre mon nouvel environnement, à rencontrer quelques partenaires techniques et financiers du ministère de l'Environnement et aussi à clarifier avec le staff le choix de mon administration que je viens de vous présenter. À cela s'ajoutent les documents élaborés comme un cadre programmatique en lien avec la feuille de route du gouvernement, le plan de contingence COVID-19 et saison cyclonique, le plan d'urgence découlant de la circulaire 003 du gouvernement, ainsi que les séances de travail sur le document de loi organique du ministère de l'Environnement. En outre, il faut compter l'implication du ministère dans la lutte contre la COVID-19 en accompagnant plus d'une trentaine d'acteurs de proximité en matière de sensibilisation et d'accès au matériel de protection, ainsi que dans l'allocation familiale, en aidant déjà plus de 1500 familles à en bénéficier. Le ministère de l'Environnement s'est aussi engagé dans une quête de partenariat, tant avec la CORPUA, qui est la conférence des recteurs présidents des universités haïtiennes, une plateforme de plusieurs universités publiques et privées, également avec des organisations de la société civile, ainsi qu'avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, et avec le ministère du Tourisme. Des échanges et concertations ont été initiés avec le ministère de l'Agriculture, le ministère des Travaux publics, le ministère de la Communication et de la Culture. Des visites ont été effectuées dans les centres de germoplasme et des plantations dans le sud, à côté d'autres initiatives de reboisement malgré la situation de pandémie. Des missions ont été en outre faites dans les aires protégées
victime de nombreux actes de vandalisme, notamment au parc national historique dans le Nord, à la forêt des Pins, au parc La Visite, au parc national Macaya et à Morne-Gagné, sans oublier le cas de la rivière Grise. Ce sont autant de cas difficiles à traiter, pour lesquels il faut des réponses sur le court, moyen et long terme. Pour paraphraser Madame Inger Anderson, nous avons besoin de remodeler notre relation avec la nature, de repenser nos systèmes économiques et sociaux pour inverser l'impact négatif qu'ils ont sur l'environnement. 10 ans pour prévenir et arrêter la dégradation des écosystèmes dans le monde entier. Une initiative connue sous le nom de Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030. Haïti doit s'engager. C'est dans cet esprit que j'annonce un concours que le ministère de l'Environnement va bientôt lancer sur la désignation d'un arbre national, d'un oiseau national, d'un fruit national. C'est également dans cet esprit qu'il s'associe, c'est-à-dire le ministère, au concours lancé par Tree That Feed Foundation et Caribbean Philanthropic Alliance, sous le nom Planter Yon Pied Bois et puis Gagner l'argent. J'en profite pour remercier le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le Premier ministre, M. Joseph Jute, pour leur appui et leur détermination à faire du ministère de l'Environnement un ministère d'État. Je salue tous les artisans et défenseurs de la nature, le personnel du ministère de l'Environnement, les partenaires techniques et financiers pour leur apport et engagement à côté du ministère. J'invite chaque citoyen à respecter les consignes de protection contre la COVID-19 pour qu'ensemble, nous sauvions la biodiversité d'Haïti. Ensemble pour une autre nature, ensemble pour une autre Haïti. Merci. C'était le discours du ministre de l'Environnement, M. Abner Septembre, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Ensemble pour une autre nature, pour une autre Haïti. Et comme moi j'aime souvent le dire, nous devons aimer notre nature comme nous nous aimons nous-mêmes. Et nous avons une conjoncture difficile. Nous n'ayons moment crise sanitaire, COVID-19, coronavirus, et pour reprendre les paroles du ministre, le coronavirus doit nous montrer la nécessité de revaloriser les plantes médicinales, les savoirs patrimoniaux, pluriséculaires et les pratiques qui y sont associées. Et c'est dans ce sens ça, le commencement, nous avons annoncé nous, avons une deuxième partie côté Pralguien en visite guidée de plantes médicinales. Côté que dans visite ça, nous allons avoir des explications. C'est avec monsieur Saint-Prix Evans de Jardin de Théo. Donc l'invité, monsieur le ministre, le directeur général, pour nous rejoindre Jardin Théo pour présentation ça des plantes médicinales. On visite guidée. Monsieur le ministre, monsieur le directeur général, la presse parlée, écrite et télévisée, les cadres du ministère de l'Environnement, madame, messieurs, bonsoir. En fait, jeudi 5 juin 2020, Journée internationale de l'environnement. C'est vraiment un plaisir pour Jardin de Théo participer dans une grosse cérémonie pour non seulement valoriser
plante aromatique qui gagne une vertu médicinale vraiment extraordinaire que nous gagnons la caille nous. Et ensuite, en fait, présenter Jabot de Terreau. Donc, Jabot de Terreau sont une entreprise agricole qui travaille dans qui travaille dans la production légumière, qui travaille dans la plante aromatique, mise en place des infrastructures agricoles, construction serre et autres. Donc nous avons des filières de formation, formation sur écologie, formation sur formation sur écologie. Nous pouvons entrer dans la visite guidée pour les plantes aromatiques. D'abord, nous avons un basilic, basilic italien, et nous sommes dans la famille Lamiacé. Lui, dans le mot scientifique, aussi nous basilicum, lui, son plante d'origine Inde, comme vertu médicinale. Lui, lutter contre nausées, vomissements et cholestérol. Et nous avons trois variétés de basilic, basilic genovaise ou basilic italienne, basilic local ou basilic citron, et ensuite nous avons basilic rouge. Donc ces trois variétés de basilic qui ont même vertu médicinale. Ensuite, nous avons citronnel qui sont dans la famille Poaceae, non scientifique. Cypopagon citratus, comme vertu médicinale, lui combat troubles digestifs, perte de poids et insuffisance rénale. Ensuite, nous avons menthe, qui c'est menthe aquatica. Menta aquatica, son plante semi-aquatique et qui a une vertu médicinale vraiment élevée. Donc, menthe participe à lutter contre infection, bronchite et gaz intestinal. Ensuite, nous avons romarin. Romarin encore dans la famille Lamiacée. Non scientifique, Romarinis officinalis, origine méditerranéenne. L'idée est comme vertu médicinale prévenir rhumatisme, tout ça. Ensuite, nous avons amoise. Donc je dis un gain pile par les quatre fêtes sur amoise, qui sont plantes. En fait, il y a un vertu médicinal vraiment élevé. Donc, amoise sorti dans la famille. Dans la famille Atheraceae. Et le scientifique Atheraceae vulgaris. Et l'origine Chine. Et son plante. Utilisé pour lutter contre des grippes persistantes et fièvre et ensuite troubles circulatoires. Nous avons grotté, c'est notre plante médicinale qui sort de la famille Lamiacée et qui gagne comme vertu médicinale anti-asthmatique et anti-inflammatoire. Ensuite, nous gagnons oregano. Oregano également sorti dans la famille Lamiacée. Nos scientifiques, c'est Oreganum vulgaris, origine Europe, et propriété. Une vertu thérapeutique, c'est l'estimuler la digestion, utilisée contre rhume et grippe.
Enfin, nous gagnons Dil son plante Dilouanette qui sont une famille apiacée. En fait, son plante est utilisée pour son plante aphrodisiaque. Son plante aphrodisiaque. Enfin, nous gagnons la loi. La loi, son plante qui gagne une propriété médicinale vraiment élevée que vous luttez contre, vous utilisez pour lutter pour renforcer le système immunitaire. Donc en fait, c'est tout. Voilà, merci Jardin Théo, que présentation de plantes médicinales ça donc on est ministre on va vous ajouter dans ça et merci monsieur Villefranche. Tout d'abord nous voulons féliciter Jardin Théo, nous avons un privilège visiter yo dans l'espace, nous découvrir effectivement gagner une agriculture urbaine cap développé et à travers expérience ça, et nous penser que c'est une bonne chose. Et je ne vous dis à vous présenter nous un aspect d'un travail centré sur les plantes médicinales. Et là, moi-même m'invite tout le monde le matin avant sortir et le soir avant aller coucher pour un titéo, parce que ça a des grandes nouvelles et nous penser ça capable de faire nous vivre longtemps. Et non, il n'est pas difficile pour cultiver ça au lacayo. Tout comme un bac derrière, il même capable de faire tout ça au la dernière, on est capable de faire légumes, mais on est capable de faire également les plantes et médicinales. Et je crois que même sur la ville, même si on est en monde, on est en milieu rural, eh bien, petit jardin ça nous encourager. Nous fait partie du jardin garde-manger qui est capable d'utiliser sur le plan santé, sur le plan alimentaire, sur le plan économique. Et vraiment, ça va être la nouvelle donne et ça va être révolutionnaire dans ce pays. Encore, chapeau bas et pour Jardin Théo et tout l'autre participant. On a gagné qui était sorti Value aussi, qui a venu participer avec plantes médicinales. Et là-dedans, parce que moi, devant la gagné au sol, et gagné flangaou, et gagné d'autres plantes qu'il a. Est-ce qu'on prend qui Saint-Joseph et d'autres? Parce que je montre une plante surtout, donc je m'apprends à identifier. Et je crois que c'est un bail qui est fondamental. Et je suis très content, la journée mondiale, ça, sous thème biodiversité, eh bien, question plante médicinale, là, les à l'honneur, les au rendez-vous. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci, Jean de Théo. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, sont toutes qui tapent sur là, nous tapons. Vive depuis ministère environnement, cérémonie qui marquait journée mondiale l'environnement. Donc nous avons un message ministre environnement. Ensuite, nous avons une présentation de plantes médicinales avec Jardin de Théo. Nous avons une troisième partie, c'est pour la signature et protocole ça, entre le ministère et de la société civile et de Corvira. Donc nous pourrons prendre une pause, nous allons retourner tout à l'heure pour nous capables de permettre de vivre. Moment ça, c'est un petit protocole d'accord ça. Merci à tout le monde qui était branché. Merci à l'équipe Télévision Nationale d'Haïti, Radio Nationale, tout autre média qui ensemble avec nous, Radio Nationale, Télévision Nationale qui est en direct. Et puis l'autre monde qui est en direct sur les réseaux sociaux, qui a fait sur nous, qui a fait des commentaires, qui a fait des échanges ensemble avec nous. Nous, les Haïtiens, nous connaissons que et nous toujours en aimé, si affecté nous, plante nous, un aujourd'hui, nous avons avec Jardin Théo. Nous allons avoir plus confiance dans la présentation ça et sur le banon des plantes médicinales. A tout à l'heure pour la suite du programme. Merci studio, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous tous qui toujours été branchés sur Télévision Nationale d'Haïti, sur l'autre média qui a pour transmettre l'activité ça. Nous depuis le ministère environnement et qu'on y a dans la salle conférence ministère environnement, je nous ai annoncé le cadre de célébration journée mondiale environnement. Nous avons fait en première partie côté que
ministre environnement, M. Abner Septembre, il était message de circonstance pour journée. Nous avons tout en visite guidée avec Jardin de Théo qui était présenté plante médicinale. Et nous arrivons là, dans le moment où je nous t'ai annoncé pour signature, protocole d'accord ça, entre ministre de l'Environnement et plusieurs autres partenaires. Et une partenaire, nous connaissons que qui travaille toujours pour dans l'esprit pour nous développer Santa et l'environnement, des thématiques, pour créer des débats, pour nous arriver avec des problèmes, des solutions à problématiques environnement. Donc l'université, nous connaissons que l'université a qui va lui jouer dans tout développement dans le pays. Et le recteur universitaire, M. Deshommes, lui là, il peut gagner donc par visioconférence. Pour lui signer un contrat, ça, protocole d'accord ça, entre le ministre de l'Environnement et l'autre acteur. Nous gagnons sous table là tout, et ministre Jeunesse Aspoir Action Civique là qui là, M. Attis, nous gagnons M. Septembre qui là comme ministre de l'Environnement, et nous gagnons tout à l'heure, ministre Roussin tout pour aller au nous et pour aller dans l'autre façon avec des organisations de la société civile. Et sans tout de suite, nous avons invité. Recteur universitaire et ministre qui eux-mêmes pourra faire des échanges pour signature et protocole d'accord ça. Monsieur le ministre, chers collègues recteurs, mesdames, messieurs les membres du cabinet du ministre et cadres du ministère, monsieur le secrétaire exécutif de la COMPUA, distingués invités, mesdames, messieurs. J'éprouve aujourd'hui un immense plaisir à porter la parole au nom de la conférence des recteurs, présidents et dirigeants d'universités et d'institutions d'enseignement supérieur haïtienne à l'occasion de la cérémonie de signature de la convention cadre entre le ministère de l'Environnement et la COMPUA. J'aimerais saluer le dynamisme de l'équipe conjointe ministère de l'Environnement COMPUA qui a œuvré à la préparation du texte de la Convention sous lumière. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude envers les collègues recteurs qui ont fait connaître leur réaction par rapport à la démarche, à l'objet et au contenu de cet accord cadre. Mesdames, Messieurs, la signature de cette convention intervient dans un contexte marqué par l'avènement de la pandémie COVID-19 où les secteurs de l'enseignement supérieur et de l'environnement fortement interpellés font face à des défis majeurs. D'une part, sur le secteur de l'enseignement supérieur, il faut constater que à la faveur de l'adoption de la Constitution de 1987, n'a de cesse de s'étendre au cours des 30 dernières années. Le renforcement de l'offre de formation du premier et second cycle, la création de programmes doctoraux, l'émergence d'une dynamique prometteuse dans le domaine de la recherche et l'ouverture accrue aux milieux scientifiques internationaux sont incontestablement les principaux acquis récents du secteur. Néanmoins, force est d'admettre que l'enseignement supérieur demeure très fragile. Les perturbations sociopolitiques de l'année 2019 ont mis au jour ces difficultés à faire face au vent contraire. La COVID-19, charriant de nouveaux défis, a aggravé sa fragilité et mis sa résilience et son agilité à rude épreuve. L'université haïtienne est-elle capable d'assurer la continuité pédagogique à travers l'intégration du numérique à un moment où le face-à-face ne peut être réalisé? Mis à part un apport au plan de l'engagement communautaire, cette université est à même de fournir une contribution effective au traitement de la crise. Quel est le poids de ces lieux de construction de savoir en émergence
dans les décisions qui se prennent aujourd'hui sur le sanitaire, le social, l'économique. Comment porter l'État et la société à en faire un secteur prioritaire pour le présent et l'avenir de la nation. D'autre part, sur le secteur de l'environnement qui s'est mis en place récemment, il y a des éléments encourageants. De l'adoption de la Constitution de 1987, en passant par l'appel de Damien en 1988, à la déclaration d'état d'urgence pour arriver au ministère de l'Environnement lui-même, le secteur a accumulé bien des acquis. Il faut en particulier se réjouir de l'intégration de ce secteur dans le système mondial de gestion de l'environnement, de l'émergence d'un nombre significatif d'associations écologiques, de l'accroissement du nombre de professionnels formés destinés au secteur, de l'accès aux instruments et outils modernes de gestion de l'environnement, du renforcement de l'encadrement légal et réglementaire de la base de données désormais disponible sur le secteur. Toute la question maintenant est de savoir si le secteur est porteur d'un bilan prometteur, encourageant au constat des réalités en tête. Ne parle-t-on pas désormais, pour le cas d'Haïti, de désastre environnemental pour faire référence à cette crise environnementale qui n'a de cesse de s'amplifier au point d'atteindre des dimensions inimaginables. L'environnement est-il aussi problématique que veut le faire croire la représentation dominante? Il existe donc pour les deux secteurs des défis énormes. Et c'est là que réside tout l'intérêt de leur coopération. Regroupement de 18 universités, institutions d'enseignement supérieur, publiques et non publiques, l'accord PULA accueille avec enthousiasme cette opportunité de partenariat qui correspond à sa mission et à son ambition. L'environnement est un domaine stratégique qui soulève des questions touchant à la santé, à l'économie, à la sociologie, etc. Renforcer ses capacités dans un tel domaine est une occasion à saisir pour la population. Monsieur le ministre, chers amis, la convention à la signature de laquelle nous allons procéder, présente le grand défi d'établir un cadre pour la coopération future des deux institutions. Cette convention témoigne du souci de nos organisations, de nos institutions, de joindre leurs forces, de mutualiser leurs capacités, afin d'œuvrer au relèvement des résultats de ce secteur. Elle met au jour leurs intérêts et leur volonté de s'engager dans une coopération qui se voudra dynamique, féconde et fondée sur le respect des valeurs de chacune des organisations. Dans ces grandes visées, le présent accord est destiné à faciliter la coopération entre la CORPUA et le ministère dans des domaines et disciplines touchant à la gestion de l'environnement. Parmi les grandes actions envisagées, il conviendrait de citer le renforcement de l'offre de formation et l'amélioration de la qualité de la formation de la discipline des domaines liés à la gestion de l'environnement. Le développement de programmes de recherche avec des possibilités d'intégration d'étudiants autour de problématiques touchant à l'environnement. La promotion de la coopération pour ce qui est de la mise à profit des opportunités de formation offertes en Haïti et à l'étranger, l'intensification des échanges entre les cadres du ministère et les anciens chercheurs des institutions membres de la CORPUA. La CORPUA affirme donc son engagement à mener à bout cet accord.
Elle ne ménagera pas ses efforts. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour donner pleine vie à ce partenariat et répondre aux attentes du ministère et des milieux œuvrant dans l'environnement. Elle est persuadée que le renforcement de la proximité avec les milieux de l'environnement peut l'aider à mettre en place un enseignement et une recherche totalement, socialement pertinent, plus en phase avec les préoccupations des communautés. La CONPUA nourrit l'espoir de voir la signature de cet accord déclencher un mouvement d'intérêt des universités en direction du secteur de l'environnement, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'agriculture biologique, de la protection de notre faune, de notre flore terrestre, aquatique et marine, du reboisement participatif, de la médecine traditionnelle, ou ne citer que cela. Je vous remercie de votre attention. Et signature accord ça a fait, nous c'est en visioconférence depuis le bureau recteur là et puis salle conférence ministère environnement. Donc ministre, et bien, bah, connaît, ensuite nous avons ministre jeunesse Axpa Action Civique là, lui-même d'un côté parle, qui pourra le gagner pour signer tout dans accord ça, monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Environnement, Madame la ministre du Tourisme, Monsieur le Président de la CONPUA, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires du ministère de l'Environnement et du ministère de la Jeunesse, des Sports et à l'Action Civique, ce matin c'est un grand honneur, un grand privilège de pouvoir être là pour apporter la contribution du ministère que je dirige actuellement. Je voudrais saluer de manière spéciale l'entêtement et le leadership de mon collègue et ami Abner Septembre pour m'avoir bien entendu persuadé à signer ce protocole d'accord. Si ce n'est pas une première dans l'histoire récente de l'administration publique, permettez-moi, monsieur le ministre, de dire que c'est rare de voir plusieurs ministères se mettre ensemble pour signer un tel protocole d'accord. Aujourd'hui, l'écologie n'est plus l'affaire d'une personne ou même d'un pays. Ça devient une cause planétaire, puisque notre survie en dépend. S'agit-il de notre pays qui, ces 40-50 dernières années, la couverture forestière de ce pays a été mise en lambeaux. Donc, nous sommes tenus ce matin d'apporter des réponses à la hauteur de la catastrophe. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler que j'ai eu l'opportunité de faire une tournée cette semaine dans le Grand Sud. J'ai pu visiter, bien entendu dans une moindre mesure par rapport à vous, les départements de Sud-Est, Nippes, Sud et Grand-Anse. On peut dire le paysage n'est pas beau à voir. Je dirige un ministère dans lequel
les jeunes, la jeunesse, ils peuvent jouer un rôle important. Et c'est la raison pour laquelle cette démarche a été mise en branle. J'ai souligné tout à l'heure pour dire que l'écologie, c'est l'affaire de tout le monde. Et je pense que si rien n'est fait, j'ai dit bien, si rien n'est fait, si on n'arrive pas à prendre le taureau par les cornes, dans les temps à venir, ça va être encore pire. Monsieur le ministre, je pense qu'il est urgent, nécessaire, d'impliquer nos jeunes de manière intelligente et responsable afin de défendre cette noble cause. Je répète, si rien n'est fait, au plus haut niveau de l'État, si rien n'est fait avec toute la société, les 10, 15, 20 ans à venir seront extrêmement difficiles. Nous avons un environnement saccagé, un environnement vilipendé, un environnement livré à lui-même. Puisque vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui encore, dans les grandes villes, nous utilisons le charbon de bois tant pour faire repasser nos linges. Nous utilisons du charbon de bois ou du bois tout simplement dans les boulangeries, à usage domestique, etc., etc. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment où l'environnement ne peut plus en faire face. Je pense que la formation de la jeunesse, la formation des jeunes, doit être, puisque Monsieur Deshommes, le recteur Deshommes vient de le rappeler, il vient de le souligner, la formation de la jeunesse doit être une priorité. Mais hormis de cette formation, il y a également la sensibilisation des gens issus de la paysanne. Et je pense que l'État doit intervenir au plus haut niveau pour que l'aide soit apportée à nos paysans. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.